Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour la suite de notre carrière Pôle emploi au LOSC. Et aujourd'hui, c'est jour de match retour du 16e de finale de Ligue des Champions pour pouvoir accéder au fameux 8e de finale. On a été gagné 2-1 au match aller à Rotterdam et on espère valider cette qualification aujourd'hui. Il nous suffira d'un match nul, mais bon, toujours dans la quête de victoire, dans la quête de bons résultats, hein, continuer notre belle série. Et on va pour cela aligner l'équipe la meilleure possible. On aura quand même une suspension de Pedro Ferreirinha. Ce sera donc Molina qui va jouer arrière droit. C'est pas son meilleur poste, mais il a la capacité de le faire. Alors oui, il est très grand, mais il est assez rapide. 14 de vitesse, du placement à 15. Voilà. Défensivement, il va faire le taf. Après, offensivement, il apportera peut-être pas autant que Ferreirinha, mais c'est un match où on doit avant tout être bon défensivement, donc j'attends beaucoup de lui. Allez, ce sera Holdaker et Rukbunam au milieu de terrain. L'équipe est en forme, puisqu'on a pris les précautions nécessaires. On espère qu'on n'aura pas de suspension pour les huitièmes de finale. On a quand même des joueurs sous la menace d'une suspension en cas de nouveau carton. C'est parti, on n'a peur de rien, on est là tous ensemble pour aller chercher ce résultat. Et si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement et m'aider, n'hésitez pas à vous abonner. Ça prend un petit clic, ça ne coûte rien. Ça soutient la chaîne. Le petit pouce bleu, le commentaire si vous voulez vraiment aider. Pareil, c'est totalement gratuit. Ça prend quelques secondes. Et ça aide vraiment au référencement. Et puis partagez autour de vous cette superbe aventure. C'est parti! La musique de la Ligue des Champions comme d'habitude. Et on reçoit aujourd'hui le Feyenoord Rotterdam qui joue en noir et rose. Et nous on joue dans nos couleurs habituelles de rouge et de bleu. Avec Simonini qui vient chipper le ballon. Oh là 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 là, son petit piqué qui termine sur la barre. Et attention à Feyenoord qui a failli se faire punir hein, dès le début du match avec cette perte de balle du défenseur central. Et on est bien en place pour l'instant. C'est pas mal. Désiré Doué. Palignac s'est fait prendre le ballon par Holdaker. Ça va vite. Simonini, Conrad de la Fuente. Pour Bakayoko. Bakayoko, est-ce qu'il est hors jeu ou non? Attention. Attention, la VAR va être consultée. Ah, il était peut-être parti un petit peu tôt, Nicolas Bakayoko. Oui, le but sera refusé, mais en tout cas, c'est bien. On se montre dangereux dès le début de match et tant mieux. Ah, mais on le voit. Le numéro 16 s'est arrêté. Bakayoko, lui, était vraiment dans son appel. C'est dommage. Tout cela a été bien fait. Tout cela a été bien vu. Malheureusement, ça ne donnera pas un but. Mais bon, c'est pas grave. On va féliciter l'équipe. Pour l'instant, la prestation est bonne. On est plutôt en place offensivement. Ballon dans les pieds de Malocha. Gispert, s'il va jouer sur Holdaker. Gispert, Wamungu. C'est pas mal pour l'instant. Les ressorties de balles sont propres. Wamungu qui prend le côté. Wamungu qui passe en vitesse. Ah, il va peut-être centrer le centre à terre. Bakayoko qui échoue sur De Keyser, le gardien hollandais. Ah, c'était très bien joué ce centre fort à ras de terre. Personne n'a été capable d'intervenir. Et Bakayoko, second poteau, qui a failli pousser ça au fond. Ah, si on pouvait mettre un petit but pour se mettre à l'abri. Parce que là, Feyenoord n'a plus qu'à marquer un but pour revenir à égalité sur l'ensemble des deux rencontres. Balle perdue par Rukbunam. Récupéré. Bakayoko qui est passé avec un peu de chance et un contre favorable. Il va centrer de l'extérieur du pied. Simonini, ce sera à côté pour l'instant. Le réalisme nous fuit, le cadre fuit nos tentatives également. Mais on n'est pas mis en danger, ça c'est le principal pour l'instant. Et puis si on pouvait justement mettre un petit but pour se rassurer, ce serait idéal. Parce que là, ça reste tendu, hein. On n'a qu'un but d'avance sur la double confrontation. Donc on va quand même encourager un petit coup l'équipe. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils veulent pas être encouragés les mecs? Ah d'accord, ils estiment qu'ils sont devant. Et qu'un match nul est un bon résultat. Oui, mais les gars, moi j'aimerais bien aller chercher un petit but là, s'il vous plaît. Jiménez, qui n'arrivera pas à saisir de la balle. Bakayoko, Holdaker. Holdaker, il y a de la place sur le côté. Voilà, c'est écarté vers Molina. Molina qui va accélérer. Une petite passe pour Bakayoko. Simonini, assez contré. C'est dégagé par Oscar Glouc. Bon, on est dominateur tout de même. Hein. On est dominateur, tant mieux. Et Molina qui est fatigué, mais il va falloir qu'il tienne. On va faire rentrer Aspiensen pour amener un petit peu de 109 au milieu de terrain. On est pas mal, on est pas mal. Soixante-dixième minute, il va falloir faire d'autres changements.
Je vais féliciter l'équipe pour l'instant, ça tient bien, la prestation est bonne. On domine sans vraiment de discussion possible. Je vais faire rentrer Kayla. Ah, je vais quand même faire rentrer Amar Dedic et Leandro Morgalla. Allez, Molina de la tête, attention à ce ballon, ça va revenir sur Molina. Marocha qui va décaler Holdecker. Marocha. Asfjensen dans le milieu de terrain. Les 5 changements ont été faits de notre côté. Bayoko, Molina, Marocha. Désiré Doué, le petit ballon. La frappe de Bayoko juste avant de sortir. Entrée en jeu de Volpato, de Kayla, Morgalla et Dedic pour essayer d'aller au bout. D'aller au bout. Et écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le rythme. On va se satisfaire de ce match nul. Allez, on n'est pas mis en danger. Ce serait vraiment cruel là que Feyenoord pardon, vienne mettre un but maintenant. Et c'est terminé. On a obtenu ce qu'on voulait, c'est-à-dire un match nul pour pouvoir valider notre prestation de l'aller. J'aurais bien aimé gagner. Mais c'est comme ça, on va se satisfaire de cette qualification. On a quand même dominé hein, l'ensemble du match, on n'a pas vraiment été mis en danger. Donc c'est tant mieux. Biorlo vers Benfica, ça on s'en fout. On va mettre Volpato au repos. Ok, on va mettre Volpato au repos, il est complètement cuit. On va le mettre au repos 2 jours, Volpato, voilà, ça lui fera du bien. Très bien, on s'est qualifié maintenant, à voir qui sera notre prochain adversaire. Je ne sais pas quand aura lieu le tirage. Compétition UEFA Champions League. Huitième de finale. Le tirage au sort aura lieu le 28 février, c'est-à-dire eh bien, dès demain, on fait le tirage au sort et ensuite on se retrouvera pour la suite et jouer un deuxième match dans la vidéo d'aujourd'hui. Allez, le tirage qui va avoir lieu le 28, on va le vivre ensemble pour ces huitièmes de finale. On espère un tirage abordable. Allez, le tirage. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Tac, tac, tac. Allez, s'il vous plaît, là. Ah, Dedic qui semble ne plus s'inquiéter de son temps de jeu. Ça, c'est tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Allez. Allez, on a envie de vivre ce superbe tirage, là, s'il vous plaît. Et on aura peut-être, du coup, un match ici, hein. Puisque là, on n'a rien. Bon, attention ici. Attention ici. Tirage au sort. C'est parti, on va débuter ce tirage vitesse x3, let's go. On est dans le chapeau des ceux qui se sont qualifiés via les barrages, via les 16e, et on jouera une équipe du chapeau 2, à savoir Arsenal, le Bayern, Inter, Barcelone, Napoli, Paris Saint-Germain, Liverpool. On va le savoir tout de suite. Il n'y a pas de bon tirage, il n'y a que des grosses équipes et ce sera le grand Bayern Munich. On va se confronter à ce qui se fait de mieux en Allemagne. Aïe, 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 il y a Mikael Olise qui a l'air très très fort. Waouh, c'est un joueur de Crystal Palace. Oui, ouais, c'est le joueur de Crystal Palace qui a été acheté 106 millions d'euros par le Bayern. Excusez-nous. Excusez-nous. Eh bien écoutez, hop, on va aller jusqu'au bout, le match 8, voilà, et donc voici le tableau des huitièmes de finale de cette Ligue des Champions, le PSG qui se rendra à Milan, Liverpool, Leverkusen, Lille, Bayern, Ajax, Real, que des grosses affiches, hein. City, Napoli, Chelsea, Barcelone, Hoffenheim, Inter et Roma, Arsenal. J'ai envie de dire qu'avec le Bayern, Leverkusen et Hoffenheim, on fait un peu office de petit poussé de la compétition. Eh bien, on aura droit à un match de gala, puisque c'est aujourd'hui. C'est dans cette vidéo qu'on va jouer le match aller. On va recevoir l'ogre bavarois. Je vous dis à tout de suite pour ce match de folie.
Allez, let's go! Match face au Bayern Munich, c'est ça, tout s'enchaîne, hein. Ça va très très vite et waouh, je suis impatient d'y aller. Huitième de finale. Alors l'aventure est censée s'arrêter là, hein, clairement, si on regarde les bookmakers, tout ça. Enfin, clairement, hein, on n'est pas censé battre le Bayern, mais j'ai envie d'y croire avec cette équipe. J'ai vraiment envie d'y croire. On y va avec l'équipe type. Et puis, advienne que pourra. C'est parti. Là, on a mis toutes les chances de notre côté, vraiment. On va faire de notre mieux. On n'a rien à perdre. Pešinović, Kvaratskhelia, Musiala, Olise, Frenkie de Jong, Dayot Upamecano, Kimmich, Lucas Chevalier, Alphonso Davies. Une équipe vraiment comme on en voit peu. Et bah, je vais motiver les gars avec les points serrés. Faites la différence, les gars. Aujourd'hui, c'est peut-être la chance de toute une saison. On est à domicile. Il faudra au moins ne pas perdre pour continuer à espérer. Continuer à espérer. Alors que les deux équipes rentrent sur la pelouse avec cette musique en fond de la Ligue des Champions. Le Bayern évoluera en blanc aujourd'hui, nous dans nos couleurs traditionnelles à domicile. Oh, Wamungu, il est petit. Oh, Wamungu, il est petit. Et c'est parti! On va encourager les joueurs. Malocha, Ferreirinha qui est de retour après sa suspension d'un match. Et ça enchaîne indirectement aujourd'hui, journée spéciale Ligue des Champions. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes vissés à votre canapé ou à votre chaise, parce que ça va déménager. Simonini, la déviation. Upamecano vers Lucas Chevalier. La récupération haute pour l'instant. Ouh là là, j'allais dire pour l'instant, on laisse pas le Bayern respirer, mais attention à la contre-attaque. Kvaratskhelia, la parade incroyable de Reyes. Oh là là, ça peut être très dangereux. On était dans les 30 mètres bavarois et en deux passes, ils se sont retrouvés dans notre surface. Ça peut aller très vite. Olise qui va dégager en touche et les Bavarois qui ne sont pas si sereins. Hein. Je pense que ça leur a fait un petit peu peur, hein, cette récupération haute là. Chevalier qui va jouer court avec Wisden-Amey. Erlman, Kvaratskhelia par-dessus vers Pešinović et Reyes. La bonne sortie pour devancer l'attaquant de Munich. Ferreirinha, Hiroukounam. Pour l'instant, le pressing est assez haut, mais on s'en sort pas mal. Désiré Doué, Oldaker par-dessus Simonini. Simonini qui a dribblé le gardien. Let's go! Cinquième minute, on ouvre le score devant notre public. Le stade est comble, le stade est en folie. Let's go! Voilà, là, 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 quel. Ah, et Upamecano qui n'est pas intervenu, la passe était laser et Chevalier qui est bien sorti dans les pieds, mais Simonini qui fait le geste juste. Oh oui, messieurs, dames. Alors, c'était un peu tôt dans le match, on va souffrir, c'est sûr. Mais on va jouer notre jeu, on va se faire plaisir, les gars, on va se faire plaisir. Allez, je vais féliciter une nouvelle fois, c'est bien là, c'est bien ce qu'on est en train de produire. On fait jeu égal, on tient tête au grand Bayern. Attention à Ferreirinha, surtout ne pas prendre un rouge, hein. Ne pas gaspiller nos chances. Ne pas gâcher tout ce qu'on est en train de faire. Allez. Allez, il va falloir mettre la pression. Voilà, Chevalier loin devant. Malocha de la tête. Ferreirinha, le contrôle. L'échange avec Bayoko. Bayoko qui va changer d'aile. Wamungu qui a réussi à se défaire de Kimmich. Simonini. Oh, la parade de Chevalier. Il a choisi le premier poteau. Et Lucas Chevalier qui a fait un bel arrêt sur cette action-là. De la Fuente, c'est dégagé. Ça va revenir avec Désiré Doué. Et le Bayern pour l'instant qui est dominé par Lille. Oh, Doué qui a tenté un truc là. Pas tout compris. Ça partira loin au-dessus. Kvaratskhelia. Par-dessus. Malocha qui est bien présent. Reyes, attention à pas faire de boulettes. Gispert, c'est bien pour l'instant. Hein. C'est bien ce qu'on produit. Et Rokbunam, Gispert, Oldaker. Attention là, le pressing commence à se faire intense. Et on perd le ballon sur cette ouverture, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut surtout pas le perdre dans notre moitié de terrain déjà, sous la pression bavaroise. Ouais, Bayoko qui a bien. Oh, attention, Simonini! Ouh là là! Oh, qu'est-ce qui va se passer là? Il était peut-être hors jeu. Mais la perte de balle de Davis avec la récupération de Bayoko! Et c'est à doubler! C'est à doubler, regardez, Davis qui se méfie pas. Bayoko fait le tour, il récupère et tout de suite il lance! Oh, Eden Adoué qui lance Simonini, la sortie de Chevalier. Ah, Simonini qui arrive à faire cette barre rentrante incroyable. 2-0. 2-0 face au grand Bayern. Et là, on peut se prendre un rivet.
On peut se prendre à rêver avec cette équipe. Oh là là. Oh là là. Eh bien, il nous reste un match et demi à souffrir, les amis. Alors là, si on finit à 2-0, je signe maintenant. Donnez-moi un stylo. Ah, je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Allez, on souffle. Et on repart de plus belle. Je vais pas tout de suite réduire le rythme. Hein. Il est un peu tôt dans le match. Si jamais on peut en mettre un troisième, on va pas s'en priver. On est bien dans le match. Attention à Bayoko qui a pris un jaune. Doucement, doucement. On va attendre un petit peu avant de faire les changements. La 60e minute. Pour l'instant, ça tient bien. 65e minute. Oh là, attention, Kimmich. Kimmich, la tête, c'est sur la barre. On a la réussite. Et Bayoko, ça va être dégagé par Ferreirinha. Oh là là, on va souffrir. On va souffrir. Moussiala, Moussiala qui est passé. Et Yasser Aspria qui vient réduire le score. Ah, ça chauffait depuis un moment. On va faire rentrer Volpato. On va faire rentrer Zaïre Emery. José Faldo. Morkaï là. On va se laisser un changement, un dernier. Allez, c'est pas terminé. Simonini. Simonini, le retrait vers Holdecker. Holdecker qui est passé. Holdecker, le centre en retrait. C'est dégagé par Aydin. Irok Bounam, la frappe, c'est contré. Attention à la contre-attaque. Au lycée. Vers Moussiala. De Jong. Frankie De Jong qui écarte sur Kimmich. Moussiala. Au lycée. Upamecano. De Jong. Ça joue bien du côté du Bayern. L'attention que Kvaratskhelia. Et la parade de Reyes qui nous permet de rester devant au tableau d'affichage. Les changements qui ont été faits. Attention, attention quand même. On va baisser un peu le rythme. On va baisser un petit peu le rythme. Et Kimmich vers De Jong. Kvaratskhelia. Le centre. Oh, Sprilia le doublé. Ah, et on gâche tout. On gâche tout, les amis. Oh non. Après, fallait s'y attendre. C'est le Bayern Munich quand même. C'est pas n'importe qui en face. Mais c'est dur. Ah, c'est dur quand même. Allez, dernier changement. Irok Bounam. On va faire entrer Aspiensen. Ah, on avait tout fait. Alors peut-être on a marqué un peu tôt. Mais on va jamais se plaindre de marquer des buts. Ça, c'est sûr. Oh, l'intervention de Kimmich. Incroyable sur De La Fuente. Il n'y aura pas faute. Chevalier ou pas Mécano, ça joue court, ça relance court, ça prend des risques du côté du Bayern, mais ça paye. Voilà, récupération de balle. Zaïre Emery, Volpato, qui écarte sur De La Fuente, c'est bien joué, une touche de balle. De La Fuente, De La Fuente, De La Fuente. Ah, il a tenté de la donner à José Valdo qui attendait au 5m50 et un corner. Peut-être pour essayer d'aller reprendre l'avantage. Non. On va encourager, on va encourager. Aspiensen, il va le mettre dans la boîte. La tête, ce sera capté par Lucas Chevalier sans problème. Et tout restera à faire à l'Allianz Arena de Munich. Même si on a vu qu'on était capable de faire des choses, ce match n'est pas terminé dans tous les cas. Zaïre Emery par-dessus vers De La Fuente. Le centre pour José Valdo. 3-2. Et on reprend un but d'avance. On n'en a pas terminé avec ces Bavarois. Oh, quel match fou. Quel match fou. Et très très équilibré en termes d'occasion. De La Fuente, c'est dégagé. Volpato qui remet dans l'axe. C'est dégagé une nouvelle fois. Kaila, Malocha, attention à ne pas la perdre ici. Surtout pas, surtout pas. Wamungu, c'est bien, il va se donner de l'air. Il va peut-être aller centrer, non, il est récupéré le ballon par Scali. Wamungu, faut revenir, c'est bien. C'est bien, attention à Aydin Kadu. Wow, Gispert qui va écarter le danger. Ferreirinha. Ce match est fou, ça va d'un but à l'autre. Aspiensen. Zaïre Emery en une touche, Kaila à l'ouverture, De La Fuente. Ah, De La Fuente. J'ai cru qu'il avait perdu le ballon et en coquin, en filou. Il va frapper du pied gauche et 4-2. On reprend 2 buts d'avance, quel match incroyable. On en colle 4 au grand Bayern Munich, premier de la Bundesliga. C'est juste fou. Oh, c'est juste fou. Pop, 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 pop. Agitez les bras, non, 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 pointez du doigt. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Comment je pourrais être plus fier de mon équipe qui vient de caler un 4-2 au Bayern Munich.
Et là, on a montré qu'on avait du caractère. Et oui, reviennent à 2-2, c'est pas grave, on continue et on en recolle deux derrière. Wop. De la Fuente. Pff, la jeunesse. La fougue. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais sauvegarder la partie. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour un match de championnat et pour ce car 8e de finale retour, justement, pour jouer une place en quart de finale. On a 2 buts d'avance. On va se rendre en terrain hostile à l'Allianz Arena. Ça va être le feu. On nous promet l'enfer. Et j'espère qu'on en ressortira la tête haute. À demain. Passez une bonne soirée.